Simon de Fou Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme on l'a vu, petite légende, on va faire le top 10 des footballeurs les plus rapides de 2017 jusqu'à 2018. Donc, juste avant que la vidéo commence, j'ai un petit truc à vous dire. Donc, tout simplement, cette semaine, elle est particulière, on peut dire, parce que je risque de faire deux vidéos comme celle-ci. En tout, 3 ou 4 avec les lives. Donc, voilà. Donc, vu que c'est les vacances, je vais faire beaucoup de lives. Voilà. Donc, allez tous. Donc voilà, et donc dans cette semaine je risque de faire deux vidéos, une celle-là et la deuxième avec mes cousines. Donc voilà, ben, tout simplement c'est parti, hein. On va commencer et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc, pardon, je sais pas, Donc on va faire de 10 jusqu'à 1. Donc tout simplement si je regarde en bas c'est que j'ai tout noté là, parce que je vais pas, il a fait 31 km/h. 90, non quand même pas, non quand même pas 90, pardon, je... Donc, c'est parti. Alors, dixième, Johan Dam de Mayence, en Écosse, en Écosse, en Grèce. Donc, il a tapé un jour, il a tapé un sprint, il est allé à plus de 32, il est allé environ, hein. Il est allé, on peut dire qu'il est, il n'y a pas d'environ, non, il est allé à 32,98 km/h, oui, c'est énorme, vous imaginez, vous allez à 33 km/h, et non, 30 km/h, il court plus vite que vous, le mec, qui a la voiture, le mec, tout simplement. Voilà. Après 9, on a Walker, le défenseur droit ou gauche, je sais plus. C'est bon, tu. Je crois que c'est toi tout dans le camera, je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Donc, un jour, il a tapé un sprint qui est allé à 33,79 km/h. Donc voilà, c'est juste énorme. Après 8ème, on a défenseur droit ou le milieu de Manchester United, Valencia. Il est allé à plus de. Un jour il a tapé un sprint, il est allé à plus de 33,90 km/h. Donc c'est comme si. Il y a des gens, vous ne voyez pas, c'est pas si... Donc pardon pour ce petit dérangement. Donc oui, je disais, Valencia est allé à 33,90 km/h. Donc c'est juste énorme quoi, pour un joueur, enfin pour un humain, c'est juste énorme quoi. Voilà, donc oui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans mon studio. Donc oui, 33,90, c'est juste énormissime. Oui, non mais allons quoi. Donc ensuite, on débarque avec l'attaquant droit du Paris Saint-Germain, le petit qui a fini 7ème du Ballon d'Or. Il est juste génial ce gosse. Génial. Kylian Mbappé. Il est allé, un jour il a tapé un sprint, il est allé à plus de 33,98 km/h. Donc voilà, c'est énorme, hein, quand même, on peut le dire, oui, on peut le dire, je te dis, pardon. Donc ensuite, on est avec Anthony Martial, l'attaquant gauche de l'équipe de France et de Manchester United. Bon, vu que maintenant il y a Sanchez, donc il risque de plus trop jouer, enfin bref. Voilà, un jour il a tapé un sprint, il est allé à 34, pardon, j'ai eu un blanc. Je ne sais pas pourquoi, c'est ta faute, c'est... Tu veux que je te tape? Non, vraiment, tu veux que je te tape? Mais viens ici. Donc, bah, c'est sûr. Non, sérieux. Donc, un jour, il a tapé un sprint. Il est allé à 34,5 km/h. Voilà. Beaucoup de vent dehors. Donc, voilà, 34,5 km/h, c'est énorme, quoi. Enfin, là, les 10, là, c'est juste énorme, ce qu'ils font. C'est... I am shocking! Non, sérieux, c'est énorme. Après, cinquième place,
Donc Dan, c'était la 10e, Walker 9e, Valencia 8e, Mbappé 7e, Martial, pardon, 6e, 5e, on est avec Kingsley Coman. Oui, un jour il a tapé un sprint avec l'équipe de France, je crois que c'était. Et il a tapé un sprint et il est allé à 34,80 km à l'heure. Voilà, c'est juste énorme pour un joueur de son âge, quoi. Voilà. Après, quatrième, sur la quatrième place de ce top 10, on est avec. On est avec Leroy Sané, oui, l'attaquant gauche de Manchester City. Un jour avec. Pas City. Schalke 04. Il a tapé un sprint. Il est allé à 34,84 km à l'heure. Voilà, 34,84 km à l'heure. C'est énorme, quoi. Il y a rien à dire. C'est juste énorme. Après, on débarque dans le top 3. Troisième, on est avec Marcus Rashford. Oui. Un jour, il a tapé un sprint. Marcus a tapé un sprint. Il est allé à 34,97 km à l'heure. Voilà, presque 35 km. Voilà, à l'heure, pas 35. C'est juste énorme! Énorme! Donc là, on est à tout toi. Le top 2 maintenant. Le top 2, comme dans Fortnite. Le top 2. Le top 2. Alors, on est avec Pierre-Emerick Bale. Non, je rigole. Pierre-Emerick Aubameyang. Donc un jour il a tapé un sprint. Il est allé à 35,23 km à l'heure. Oui, donc c'est énorme, quoi, pour un genre de foot, quoi. C'est énorme. Donc 35,23 km à l'heure pour un attaquant pointe, surtout. D'habitude ça va pas trop vite. Enfin, si, il faut que ça aille vite, mais ça va pas trop vite. C'est par là, Pôle emploi. Ouais. Qu'est-ce que je dis, Pôle emploi, moi? Oh. Ce youtubeur part et décide de devenir astronaute. Non. Ça va? Elles sont belles, des feuilles. Oui. Bonjour, au revoir. Au revoir, non, je vous aime pas. Pardon. Donc, oui, top 2, Pierre-Emerick Aubameyang, 35,23 km à l'heure, oui. Oui, à l'heure. À 35,23 secondes à l'heure. Non, sérieux. Et maintenant, le top 1, la victoire royale, le Fortnite. Non. Le premier de ce top 10. Gareth Bale, oui, l'attaquant droit du Pays de Galles et du Real de Madrid. Pourquoi je fais un doigt? Parce que je déteste le Real de merde. Donc un jour il a tapé un sprint comme le FC Barcelone, je sais pas si vous l'avez vu. Il est sur le banc de touche, il arrive du extérieur, ça, là-bas, elle part là-bas. Il sprint, il est allé à plus de 36,9 km à l'heure. C'est juste incroyable. 35,9 km à l'heure. 36,9 km à l'heure. 36,9 km comme le Barça. Le putain. Daniel Alves, il s'est fait à la course contre Gareth Bale. Ça a fait ça. Merde, nous. Ah, merde, il a marqué. Et puis alors, au revoir. La nuit. 36,9 km à l'heure. Donc, on va reprendre le top 10 du début. Donc, 10e Dan avec 32,98 m à l'heure. 9e Walker avec 33,79 km à l'heure. 8e Valencia 33,90 km à l'heure. 7e Mbappé avec 33,97 à l'heure. Martial avec 34,5 km à l'heure.
Kingsley Coman avec 34,80 à l'heure. Le Roi Sané avec 34,83 km à l'heure. Marcus Rashford avec 34,97 km/h. Deuxième, Pierre-Emerick Aubameyang avec 35,23 km/h. Et premier, Gareth Bale avec 36,9 km/h. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker, à partager, vous abonner. C'est un délire entre moi et moi. À liker, partager, vous abonner, commenter. Des commentaires gentils, s'il vous plaît. Et tout simplement, ciao.